ils sont tous et globalement en décalage, pour ne pas dire en retard, par rapport à ce qui doit être fait et par rapport à ce qui doit être exigé. Je disais tout à l'heure que ce que nous devons faire nécessite de la maturité. La maturité n'est pas là, mais la maturité a besoin au préalable de la maturation. Et la maturation, c'est le travail de formation, d'encadrement, de préparation que doivent faire toutes les composantes, les parties, pour préparer leurs élus. L'association, les associations de société civile, pour préparer leurs membres. Les élus, pour se préparer eux-mêmes à assumer leurs responsabilités. Il faut, nous sommes dans une phase où la priorité, c'est la maturation par la formation et par la volonté d'assurer cette formation. Et ne pas admettre qu'à partir du moment où on est arrivé à un poste, on n'a plus besoin d'être formé. C'est à partir du moment où on arrive à un poste qu'on a besoin d'être formé. Je vous cite pour votre gouverne, il y a un livre qui est sorti les années 70 qui s'appelle « Le principe de Peter » que je vous invite à lire. Le principe de Peter est basé sur quelque chose. Quand quelqu'un arrive à un degré de compétence, on lui donne une promotion. Et donc il passe à un niveau plus élevé. Et logiquement, à ce niveau, il n'est plus compétent. Donc il faut qu'il se forme. Le principe de Peter, quand on est compétent, on passe à un niveau où on ne l'est plus. Il faut que chacun assume la part de responsabilité et de compétences qui lui sont attribuées par la Constitution. On ne peut pas rester dans la situation hantée où on attend de l'État qu'il fasse tout. L'État a décidé, dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation et du complément de démocratisation, il a décidé de transférer une partie de ses prérogatives aux représentants des populations. Ces représentants des populations doivent réviser leurs textes et savoir de quoi ils sont responsables et ce qu'ils doivent faire sans attendre quoi que ce soit.